Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le sixième épisode de mon let's play sur Age of Empires 2, je vais y arriver, HD édition en mode régicide intermédiaire, et c'est la galère totale, on patauge mais littéralement, et il faut que j'achète des pierres, mais ça va pas du tout aller. Je vends du bois et de la bouffe, on va faire du fric. Ah, il m'en faut encore un tout petit peu. Hop, voilà, ça c'est fait. Là-haut, 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 il faut que je me fasse encore des soldats. Voilà, ça c'est bon. Ici, ça tient le coup. Là, vous me faites un deuxième château. Bah, tirez-vous, allez hop. J'ai dit un deuxième château. Ici. Ouais, carrément, maintenant c'est le bélier. Bon, ça c'est bon. Ouais, bon, ça tient le coup ici. Surtout si le bélier s'approche pas trop, ça devrait aller. Hop, ça c'est bon. Je vais les mettre en position défensive. Voilà, comme ça au moins, ils ne casseront pas les fesses à aller trop loin. Vous allez finir le château rapidement, comme ça je serai tranquille. Quoi d'autre, quoi d'autre? Eh ben, il faut qu'on continue à faire une armée. Je vais vendre encore, hein. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Vendre. Alors, on vend du bois, parce que le bois, je m'en sers pas du tout. La bouffe, je m'en sers beaucoup moins que l'or. Voilà, ça c'est bon. Et oh, voilà, ici. On va faire, hop, ça, les lanceurs de hache, je suis pas sûr qu'on en fasse. Quoi qu'il me faudrait de la distance en fait. Bonus contre les bâtiments. Quoi, 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 quoi. Mais attaquer. Pas non plus rester en arrière quoi. Bon, vous savez quoi, on va les mettre en mode attaque, ça ira très bien. Alors, à moins qu'on les range en garnison. Ouais. C'est peut-être pas forcément une super idée, mais bon. À faire avec. Plus assez de pierres. De toute façon, j'ai plus assez de pierres pour rien faire. L'or, il remonte. Hop. On refait des paladins. J'ai combien de personnes là? Oh, c'est quand même pas mal. Bon, par contre, toi, tu comptes pas vraiment. Tu vas... Non, pas toi. Toi, le constructeur, tu rentres. Ah oui, carrément. Ok, plus d'éléphants. Les bombardes qui se mettent au corps à corps, c'est pas très intelligent. Voilà. Ouais, non, c'est cool ça. On les mène, mais largement. C'est pas très intelligent. Je sais pas ce qu'ils étaient allés faire. Je suppose qu'ils allaient venir me taper ici. Bah, faudra que je fasse gaffe quand même, parce que là, ils font mal. Ok. Pour quelques paloufs. Avec tout ça, je pense que ça devrait aller, hein. J'ai de quoi attaquer sur de la longue distance, beaucoup d'unités à la fois. Détruire les bâtiments. J'ai de la cavalerie qui tape bien. En plus, j'en ai tellement des unités que certaines je peux pas les prendre. Ah non, juste elle pop. Quoi, quoi, quoi? Y'a quelqu'un là? J'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. J'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un. Alors, la suite. La suite, la suite. Toi, tu restes tranquille, hein. Et on va tenter d'attaquer. Cette fois-ci, on va passer par le haut. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas trop par où passer. Il doit être là. Oui, bah oui, il est là.
Et dans celui-là, donc faut aller là-bas. Ah, là, il y a du monde là-dedans. Par contre, ça va être... Hop, on vire tout le monde. Comme ça, l'attaque. Faut les empêcher... faut empêcher les béliers d'attaquer, de toute façon. Voilà. Ça passe bien. J'ai pas de problème. Ils se font mais détruire. Ça passe tranquille. Alors, on y va. Doucement mais sûrement. Alors, il faut que je fasse deux groupes en fait. Voilà, vous, je vous fais... C'est le groupe numéro 1. Et pourquoi ils font... Ah pardon. C'est peut-être mieux si je déverrouille la porte. Voilà. Donc vous êtes pas rapide. Hein. Bon, on va faire avec. Le temps qu'ils arrivent, de toute façon. Alors, du coup, là-haut, là-haut. Les haches à pointe. Lanceur de haches d'élite. Bon, faut que je les fasse, ça faudrait que je les fasse. Ça peut être intéressant. Juste pour essayer, en fait. Ok, on va partir avec ça déjà. On va passer par le haut. Voilà. Là, ça essaie d'avancer encore. Ouais, bon, ça devrait aller. Hein. S'ils vont attaquer ici, c'est pas un gros problème. Faut vraiment que j'aille détruire le château adverse, ça serait déjà énorme. Ça serait déjà énorme. Alors, on va avancer tout doucement. Vous, je vous mets toujours derrière. Pas que soyez trop à la ramasse. Oh, oh, oh. Position défensive. Là, ça tient le coup large. Chose de charmer là-dessus. Voilà. C'est tout ça qu'il faut faire. Voilà. Exactement ce que je veux. Ils ont à peine le temps d'arriver qu'ils sont défoncés. Ouais, enfin, faut pas exagérer non plus. Oh non, 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 non. Non, non, oh, ils en ont combien, mais c'est monstrueux, quoi. Quoi? Mais c'est quoi ce foutoir? Vache. Non mais c'est monstrueux quoi. Comment vous voulez rivaliser avec autant de nagres? Non mais arrêtez là. Oh la vache. C'est pas possible de toute façon. On peut pas essayer de... d'attaquer autant de trucs. Et ils sont... J'ai toute ma cavalerie qui est déjà défoncée. Je peux les taper un par un et il y a tout plein d'unités autour. Allez, laissez tomber, on peut pas. On peut pas y arriver là. Avec tous les moines. Oh la vache. Mais c'est absolument monstrueux, mais. Bon, ok. On va dire que c'est rien passé en fait. Mais quel carnage. Mais quel carnage. Po po po. Je suis curieux de voir quoi ça coûte. Ah bah dis donc.
Ah, je crois que j'ai trouvé pourquoi en fait on s'est fait mais exploser. Tiens, mais c'est de l'or. Je pourrais pas avancer de toute façon. Je pourrais pas avancer. On se fait mais exploser à chaque fois qu'on tente quelque chose. Ça sert à rien d'essayer d'aller plus loin. On va pas y arriver. Je crois que j'ai compris simplement qu'ils ont. Ils ont les reliques en fait. J'ai qu'une seule relique sur les quatre. Et les reliques, je vous ai dit que ça générait de la. Bah de l'or. De l'or. Et tout ce qu'ils envoient à chaque fois, ça coûte énormément d'or. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent du bois. Ils ont beaucoup de bois, hein, du coup ils le récupèrent. Et avec ce bois-là, ils font des fermes, ils récupèrent de la nourriture, et l'or est généré grâce à leurs reliques, qui doivent se trouver là-dedans, de toute façon. C'est pas bien compliqué, c'est pas un mystère, et du coup, ouais, bah, j'ai mal joué. J'ai vachement mal joué, et ils génèrent énormément plus de ressources que moi, en fait. Et je pourrais pas tenir avec ma petite moitié, là. Enfin, voilà, bon, c'est dommage, hein. C'est fini, de toute façon. Hop. Oh, encore tuer un cheval. Non mais je vais laisser tomber de toute façon. Je pourrais pas aller plus loin sans. On le sait, je pourrais juste tenir à. Mais même en guerre d'usure, du coup avec plus d'or, ils tiendront plus que moi de toute façon. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Ah c'est dommage, ça m'énerve. Je pensais vraiment gagner, parce que la dernière fois j'avais gagné, la dernière fois que j'ai fait une partie en standard intermédiaire, mais c'était une standard, c'était pas un AGC, c'est différent. Et j'étais peut-être allé un poil plus vite. Ah, c'est dommage. C'est franchement dommage. Bon, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Mais bon. J'ai mal joué, je sais. Conspuez-moi dans les commentaires si vous avez envie ou. Mais bon. Voilà, c'est fini, c'est dommage. Je suis pas arrivé à gagner. En plus de ça, il y a mon allié qui est mort. Enfin. Enfin, bref. Bon. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié, même si j'aurais fait pas mal d'erreurs. Je sais, c'est assez sérieux ce que je fais, mais peut-être que ça plaît à des gens. Moi, j'aime bien faire ça de façon un peu plus sérieuse, un peu moins fun que d'habitude. Enfin, bref. Eh ben, n'hésitez pas à partager les vidéos, la commenter, dire j'aime ou j'aime pas même. Mais dites-le-moi pourquoi au moins. Dites-le-moi pourquoi, n'hésitez pas à venir en parler sur Twitter avec moi, etc. Bon, et ben, j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Et puis à la prochaine, salut à tous! Hop, désolé tout le monde, je vous reprends juste un petit peu pour un mini bonus, on va dire. Et on va essayer de les défoncer, en tout cas, on va gagner cette partie de toute façon. Attendez, je vais juste faire un truc. Hop, j'ai enregistré la partie. Voilà, et puis on va aller. Oula, pardon, on va aller la gagner. Hop! Ou pourquoi j'ai mis un slash? How do you turn this on? Yeah! Une voiture Cobra, mais c'est un truc qui défonce, mais à mort. Regardez. Oh non, on aura peut-être pas le temps. Donc déjà, elle va super vite. Quand je dis super vite, c'est vite. Je vais vous faire une petite démonstration pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Équipée d'une mitrailleuse, mais qui défonce, mais à mort. Voilà. C'est pour donner un petit exemple. Et ben on va en faire plein et puis on va tout défoncer. Hop. How do you turn this on? On va faire quelques-unes, genre 3-4. Hop. Non, j'ai oublié de mettre un espace. How do you turn this on? J'ai la niaque, hein. Honnêtement, j'ai la niaque. Ça m'énerve qu'il m'ait défoncé, en tout cas. This on. Hop, voilà. On va en faire 4. Ça va aller vite comme ça. Ah là là, ça m'a tellement embêté, du coup, j'ai pas résisté. J'ai pas résisté, donc j'ai sorti des voitures Cobra. Allez hop. Vous savez quoi? On les passe après. Voilà, les 4 voitures Cobra, c'est un truc de malade. Voilà, il s'est rien passé. On va aller directement se les attaquer chez eux. Vous allez voir, ça va être super rapide. Ouais, enfin. Pas moyen que ce soit un peu plus rapide quand même.
Mais oui, essayez de vous approcher, voilà. Regardez. Mais c'est monstrueux. En plus, impossible de se faire toucher du coup là. Hop. Les prêtres à la noix là. Qui m'ont énervé tout le long de mon let's play. Hop, il y en a plus. Il faut que j'arrive à passer en fait. Yes! Voilà, c'est ici, on se fout ici. Ça va très très bien. Une fois qu'on est rentré, on est bon. Hop, on se fout ici. On va détruire ça, vous savez quoi, ça sert plus à rien. Hop. Voilà. Toi tu m'énerves. Et on va directement aller attaquer le roi. Bon, par contre il y a un peu de monde quand même. Il y a quand même un peu de monde. Toi tu m'énerves aussi. Bon bah voilà, ça tient. Voilà, du coup je vais tout défoncer avec ça. J'ai tout défoncé avec ça. Comme ça on sera tranquille. Puis j'aurai gagné, hein, vous savez quoi. Par contre ça va être un peu long. Sans que je trouve le bon. Hop, on va détruire ça, comme ça on sera tranquille au beau milieu. Attendez, je vais en faire parce que je vais en avoir besoin. Oh non, j'ai mis un E à la fin. How do you turn this... Oh, mais dis donc, décidément. How do you turn this on? How do you turn this on? Et j'ai oublié le S. Attendez, je vais essayer un truc. Est-ce que le CTRL-C, CTRL-V fonctionne? Ah, hop, j'ai fait CTRL-C. Ah oui. Miracle. Non, j'ai dit CTRL-V. CTRL-V. Ça va être un vrai massacre, hein, moi je vous dis. Hop. Alors, elles sont où? Voilà, elles sont là, mes voitures Cobra. Mais là, ça va chier, par contre. Vous imaginez tout ça avec équipé de mitraillettes qui tape énormément, c'est monstrueux, quoi. Par contre, j'ai de moins en moins de... Ah, bah, heureusement qu'elles sont là, en fait. Hein. Vous aurez imaginé détruire tout ça avec juste des soldats normaux? Ça aurait été impossible. Toi tu me laisses tranquille, hop. Je suis sûr que le roi est là-dedans. Oh bah tiens. C'est quoi? La vitesse à laquelle ça descend quand même. Allez, plus vite. Ah, c'est quand même long, hein. Ça a beau tirer super vite, je trouve ça quand même vachement long. Hop, il y en a plus. Deuxième fort. En plus, je suppose que c'est celui-là qui abrite le roi. Sinon on va demander. Ouais, il y a celui-là et puis il y a celui-là. Ok.
Allez, c'est presque fini, comme ça on va en tuer un à la fois. Un d'abord et ensuite on fera les bleus. Bleus qui m'embêtent de moins en moins, je trouve. Peut-être eux qui avaient moins de reliques. Ah bah tiens, il est là. Gagné. Et ben maintenant, on va les taper chez eux. Voilà. Vous avez pas mal de trucs quand même, hein, la vache. Vous avez vraiment pas mal de trucs. Ok, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Il est vachement loin en plus, hein. Vous savez quoi? Hop, on va se mettre au beau milieu et on va tout tirer dessus. T'as la vache, le nombre de péons qu'ils avaient. Oh. Allez, quand même. Tirer dans le tas, ça doit faire un massacre là-dessus. Vous imaginez un type avec une calache? Il fait un massacre. C'est un peu ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Hop, on va faire ça d'un coup. Mais je suis attaqué par l'Empire machin truc. C'est pas celui-là que je veux tuer. Ah, c'est impossible de déplacer sur ces trucs. Voilà. On détruit ce château. Comme ça, au moins, ça sera fait. Et j'aurai gagné, hein. Sans triche, bien sûr. Allez, allez. Dès qu'il sort, de toute façon. Ils vont le faire sortir. Il est là. Coucou. Je suis le meilleur. Non, je rigole. Bon, ben voilà. Effectivement, Ackerman did not progress this game because cheat codes were used. Non, c'est pas vrai. Bon, ben, de toute façon, c'était juste pour le fun. Hein. À la fin, j'en avais marre de me faire poutrer. Ben, du coup, je me suis dit, hop, c'est moi qui vais gagner. De toute façon, avec ou sans cheat code, j'aurais gagné, bien sûr. Bon, ben voilà, ça y est, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin du premier let's play. Sans doute que j'en referai un plus tard, mais peut-être pas en régicide, parce que le régicide, c'est quand même pas facile. Ok, et ben, voilà, ça y est, c'est la fin de la vidéo, vraiment. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, le petit bonus. Et puis, à la prochaine.